Alors il me reste les rumeurs de miracle, les vers. Alors les vers, faut que j'aille chercher un œuf de dévoreur par là-bas. Ouais, c'est un peu loin quand même. Donc on va d'abord aller voir Merak, le scribe. Ça vous dérange pas bien sûr, les petits loups. Pour ça, il faut aller à Ashford, à l'abbaye en fait. On va traverser le village. Ah. C'était vraiment quelque chose d'assez reposant de se balader en fait dans cet endroit. La nature, c'est chouette. Petit village tranquille. Avec les toits de chaume, des chaumières et tout. C'était marrant. Alors, l'abbaye d'Ashford, ouais, comme on voit ici. C'est un avant-poste. Donc, on va pouvoir parler. Voilà, on entre. C'est parfait. Alors, Miracle Scribe. Il est ici. Je vais juste regarder un petit peu autour avant, voir s'il n'y a pas des... Ah bah il y a une quête là encore aussi, frère Memno. Parfait ça. Alors, monsieur Merak. Je laisse les autres affronter le danger. Pour moi, rien n'est plus grisant que de découvrir les secrets d'un texte antique. Un intellectuel. Alors, en quoi puis-je vous aider? Ah, c'est Devona qui vous envoie, béni soit-elle, elle a compris que j'avais besoin d'aide. J'ai un important message à remettre à Armin Saberlin et à Ascalon. J'ai eu une vision de Duena. Elle m'a averti que quelque chose d'horrible se trame chez les chars. Nous devons avertir la cité. Ok, bon, ouais, parfait. Bon, on peut ils apprennent à téléporter en fait. Donc on ouvre la carte normalement et on clique sur Ascalon. Et ça, c'est un point de. J'aime beaucoup, c'est les téléportations instantanées. Par contre, je vais pas le faire tout de suite parce que. Je vais d'abord faire des tickets à l'extérieur là. Avant de rentrer à Ascalon. Alors, voyons un peu ce que j'ai dans mon inventaire de quêtes. Les bandits, maintenant que je peux m'en occuper, maintenant qu'ils sont niveau 2, que je suis niveau 2, peut-être que je peux essayer. Problème de verre, non, ça c'est après. La grande Ouplande, c'est un peu loin aussi, je pense. Ouais. Donc on va essayer les bandits, en fait. Prête de bandits. Les verres sont là, ils sont marrants. On va en tuer un pour voir. Voilà. Ah, il est toujours là, Gwen. Incroyable. Voilà, il est mort. Alors les bandits c'est par là, il y a sur la petite carte en haut, la petite, petite étoile de la quête est là, donc mais je crois qu'ils sont beaucoup quand même, hein. Faut que je fasse vachement gaffe. Ah ouais tout de même. Niveau 3 égorgeurs, ah oui non peut-être attendre un petit peu alors. Hein. On va rentrer à Ascalon. Et on va continuer la quête. Voilà, voyage. Et l'autre Gwen qui me suit là, non mais oh. On va parler à... Ah tiens, il est là, le héron royal, il va nous parler aussi, tiens. Intéressant. D'ailleurs, c'est les rumeurs de miracle, c'est ça, voilà. Alors déjà, le héron royal, qu'est-ce qu'il nous veut? Devona d'Ashford a de mauvaises nouvelles. Un clan de Grolls venant du nord a envahi le comté du lac. Si on ne les arrête pas, le village d'Ashford sera sans doute détruit. Quelqu'un doit se battre contre ces créatures et protéger le peuple d'Ashford. Bah, avec plaisir. Ok, pour l'instant, on va aller parler... Par contre, on va aller parler... À chaque fois, c'est dommage que... Les quêtes en fait elles se... On les suit plus en fait, on suit la nouvelle quête à chaque fois. Donc là je remets sur Merak. Et Armin Saberlin, on doit lui parler. Je crois que c'est pour la compression secondaire je crois. Un message de Merak, voyons un peu, c'est une mauvaise nouvelle, effectivement j'espère qu'il se trompe. Si une telle chose est vraiment possible, l'offensive du roi Adelberne contre les chars arrive juste à temps. Nous ne devons pas perdre cette bataille, blablabla. Donc il nous demande d'acquérir une profession secondaire. Ouais, je veux bien, mais bon, pour l'instant, ça m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresserait le plus, je suis Géraudeur, donc ça m'intéresse pas. Guerrier, moine, étémentaliste, on peut acquérir une profession secondaire pour faire un peu complémentariser, complémentariser, ça se dit ça? Pour faire complément avec la profession primaire. Nécromant, c'est pas vraiment dans le RP du rôdeur, donc moine, voilà. Pour les soins. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais ça me dit pas ce que je dois faire.
On va taper sur les grôles, tiens. Ceux qui sont là. Ou alors le problème de verre, allez, on va faire les. On va les taper sur. Récupérer un œuf de dévoreur. Ça va être sympa. Hop là, retour dans le comté du lac. Et alors, l'œuf dévoreur est là, juste ici, là, dans le. Un peu vers le sud. Oh, encore une quête là! Oh là 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 là! Alors, être un rôdeur implique plusieurs aspects. Ah oui, c'est pour le. C'est pour être maître rôdeur. Donc, pour continuer à avoir des compétences de rôdeur. Donc, ouais. Hop. Je ferai ça plus tard. Pour l'instant, je vais voir le problème de verre, moi. Alors. Voilà. C'est parfait. On peut continuer à avancer avec, avec la touche Z, par exemple, tout en étant avec la carte ouverte. C'est intéressant. Bon, alors on va tout droit par là, on va tuer sur le route quelques créatures. Voilà. Vraiment c'est bien là, cette balistique c'est vraiment bien quoi. Voilà. Ah j'ai gagné un petit peu en dégâts ouais. Allez meurs. Voilà. 6 pièces d'or, excellent. Alors. Mourez créature ignoble. Mour. Et hop, tu vas mourir toi aussi. Voilà. Et donc mouru du verbe mourir donc. Tu vas mourir. Donc alors c'est par là-bas toujours. Donc sur le chemin il y a plein de créatures, on va s'amuser un petit peu. Coucou. Hop. Et pan, voilà. Et eux, pas mort. Oh mais ils sont plusieurs. Donc on gagne des trolls pour régénérer, voilà. Et là je commence. Pas assez de pouvoir. Donc bah, on attaque normalement alors. Voilà. Coûte 10 points de mana quand même, hein, l'attaque puissante. Voilà. On passe au suivant. Voilà. Alors je crois qu'il y avait une attaque. Il y avait un truc pour aller passer directement là, je crois que c'est T ou G ou F. Je sais plus. Pour passer directement à la cible suivante sans avoir à cliquer dessus en fait pour tirer. Et je me souviens plus du tout du tout. Hop là. Toi t'es mort aussi. Voilà. Alors touche 1 pour ça, hein. Pas besoin d'utiliser la souris. Voilà. Allez. Voilà. Ramassons quelques loot pour se faire du blé. Maintenant partons au nord, allons chercher cet œuf de dévoreur. Je me demande à quoi ça ressemble, je me souviens plus du tout en fait. C'est peut-être des espèces de scorpions géants en fait, qu'on trouve dans des grottes, mais je suis pas sûr. Allons voir. Ah oui, d'accord, il y a quelqu'un qui nous attend, le duc Gaban. Tiens donc. Bonjour du Kuné. Hop là. Eh hey, vous, vous m'avez l'air d'être un solide rôdeuse. D'être un solide rôdeuse, putain. D'être une solide rôdeuse. J'ai demandé à mon homme de main, Faden, de me récupérer des œufs de dévoreur dans la grotte là-bas. Toutefois, il apparaît qu'il a peur de se faire manger par les dévoreurs. On ne saurait l'en blâmer, mon cher duc. Il me faut une âme courageuse pour éloigner les dévoreurs de Faden pendant qu'il effectue la tâche pour laquelle je l'ai payé. Très bien, je protégerai Faden alors. Allez, oui, d'ailleurs, faut aller où? C'est ici, non? Ah ouais, on dirait que c'est là. Ah, c'est un petit donjon en fait. Une espèce de petite quête sympa. Allez hop, au revoir dévoreur. Si t'es pas mort encore. Voilà. Allez. T'es mort. T'es mort. Ok. Allez, tu vas mourir là. Mais Voilà, 3 pièces d'or. Faden, tu viens? Voilà, il est venu. 3 petites pièces d'or. Voilà. La cachette, voyons un peu ce qu'il y a dedans. Oh, baguette d'air, hachette, bâton de la terre. Un peu comme dans. D'ailleurs, vous avez vu comment c'est apparu? C'est un peu comme dans Diablo. Hop là, ça t'es mort. Ah, un petit gond des trolls aussi d'ailleurs, ça fait du bien. Et là, t'es mort. Qui est mort? Dévoreur de mes. Un petit dévoreur en moins. Toujours moins de ça qui dévorera. C'est pareil pour là. Attaque puissante. Voilà, on va continuer l'attaque normale. J'ai pas encore 10 points de mana. Ouais, attaque puissante.
serpents. Ils sont balèzes hein, quand même. Ils résistent bien ces petites ces saloperies là. Œuf de dévoreur. Voilà. Prends l'œuf, mon petit gars, prends l'œuf. Ouais. On a trouvé un. Bon, partons, d'accord. Bon, allons-y alors. Content, il a son œuf. Maintenant, je vais pouvoir sortir. Qu'est-ce que c'est alors protéger pendant qu'il rassemble les œufs. Ah, il faut avoir les œufs, donc on va continuer en fait. J'avais pas compris. Je crois qu'il a déjà fait ça ici, je pense. Donc je crois que à mon avis, ça fera rien là. Ok. Est-ce que tu peux rassembler ici aussi? Non, à mon avis, c'est fait déjà. Bon bah. Coucou. Voilà. Un petit dévoreur fouette queue. On dirait un scorpion avec une double queue en fait. Voilà. Une dernière attaque. Allez, au revoir. 80 XP quand même. Miam. Ok, est-ce qu'il y a des œufs par là? Il y a des œufs mais apparemment on peut pas les... Ah si, voilà. On peut les prendre. Ah ouais mais non. Salut. Ah bah d'accord. Ah, un arc long magique. Excellent. Et où Faden là? Faden. Coucou. Faden. Tu viens? Faden. Eh oh, Faden. Ah. Eh bien. Viens par ici. Faden, allez viens. Petit, viens. Voilà. Viens ramasser les œufs là. Un arc long non identifié, cool. Il peut pas venir, je comprends pas en fait. Il est bloqué là-bas en fait. C'est bizarre ça. Si je fais ça, non? Le voilà. Faden, c'est bon, tu vas venir? Ouais, bravo. Eh bah putain. Ouh! Un peu handicapé le Faden, hein. Ok. Ensuite. Hop, il y a encore des œufs. Il faut encore des œufs. Bon bah voilà, on y va alors. Hein. Bon dévoreur. Au revoir dévoreur. Ah, hop là. Ça fait presque mal en fait. Hop là. Carapace épaisse, ok. Et là nous entrons. Dans l'entrée maléfique des dévoreurs et de leurs œufs, de leurs gros œufs. Ah, j'aime bien quand ils sortent du sol en fait, c'est chouette. Hop là. Méo, hé, tu vas attaquer ici toi, hein, Méo. Ah bah il est mort. Bon bah voilà. Et l'autre là-bas, ah, j'ai tué d'un seul coup aussi l'autre. Incroyable. Ok, carapace épaisse. Des œufs. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va se faire le dévoreur là. Pas encore fini la quête hein. Oh là 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 là. Ah si, voilà, c'est bon. La quête terminée. Donc on retourne voir le duc. C'est parti. Il y a autre chose là au fait? Il y a plein de choses ou pas? Il y a pas de trucs dans des cachettes Les trucs secrets, non, il y a un gros dévoreur. Il y a deux dévoreurs fouet de queue en haut. Non, bon, allez, on s'en va. Pas de cachette alors. Non, non, c'est bon. En faisant halt, on voit bien les choses avec lesquelles on peut interagir, comme je vous ai déjà dit. Donc là, il n'y a rien. On va retourner à l'entrée de la grotte, parler au duc. Et en espérant qu'il me donne un œuf pour aller aider. L'autre paysan. Bon, c'est quand même moins dynamique en fait que les deux autres extensions. Hein. Franchement, c'était vachement, ça me prenait vachement le temps pour bien apprendre le jeu en fait. Beau travail. Je vais vous donner deux œufs pour la peine. Ah, c'est gentil, merci. Voilà. Super. Quête mise à jour, le chercheur 2. Donc maintenant, je peux aller apporter l'œuf de dévoreur à Pitney dans le village d'Ashford.
Si je me débrouille bien ici, je peux aller là directement à Ashford, voilà, en voyage rapide. Et je peux aller directement aller voir Pitney en sortant. Voilà. Sinon, ça prendrait trop de temps en fait. De revenir, tout ça, de passer de côté du village. Donc, le petit Pitney. Petit Pitney, le petit Pitney, ouais, il est là-bas, dans le côté du village. De l'autre côté du village, pas dedans, de l'autre côté. Bah moi je fais mes commentaires, je les fais en direct, donc c'est vrai que je peux fourcher un peu. Ma langue peut fourcher de temps en temps. Pardonnez, au niveau des mots, je peux en inverser deux, ou je peux en prendre le mauvais mot pour décrire ce que je pense, ce que j'ai envie de dire. C'est ça le problème de l'improvisation. Alors Devona, j'ai résolu ton problème, je crois, déjà. Les Ascaloniens sont courageux, c'est ce que je pense. Ah bah non, j'ai pas résolu, en fait elle me donne deux autres quêtes, putain. Non allez, on va peut-être prendre déjà voir Pitney. Alors quand la quête est résolue, c'est une petite flèche vers le bas. Et la quête et d'autres quêtes, c'est un point d'exclamation en fait. J'aimais bien la manière dont c'était présenté. Ah, l'astuce j'aime bien, mais bon quand même. Je n'aime pas trop la ville, non, Ashford me convient mieux. Et alors, à quoi pensez-vous? Et ton problème de verre alors? Voilà. On va t'accompagner jusqu'à ton champ. On va faire l'arène. Et là, j'arrêterai la vidéo après l'arène, je pense. Donc, alors, on va résoudre son problème de verre à ce petit gars. Donc, dans les champs, je suppose, là-bas. Hein. Vous voyez, en une séance, je suis que niveau 2. Hein. Ça durait vachement longtemps, en fait. C'était pas mal. J'aimais bien la progression sur Guild Wars. Vraiment bien. J'aime pas la façon. J'aime pas que Guild Wars 2, en fait, ils aient pris le. On va expliquer. Ah, un loup. Oh, oh. J'aimerais bien t'aider, paysan là, mais j'ai un loup sur les pattes. Ils ont pris la partie en fait de faire des jeux en 80 avec Guild Wars 2 et ça, je suis pas super fan en fait. Bon, allez, un grand troll quand même là pour régénérer. Il fait mal le loup là, mine de rien. Allez, on va le loup. Bon, alors, Pitney. Ah, la reine est là. La reine est là, mais la rôdeuse ne la voit pas. Hein. Voilà. Oh, elle est méchante, la reine. Et puis il y a d'autres qui m'attaquent. Un petit temps des trolls, une fois que j'aurai 10 points de mana. Ah ben voilà, problème de verre résolu. On va attaquer le prochain verre. Voilà. Alors, au revoir le verre. Et hop là. Allez. Allez. Voilà. Carapace cuite. Carapace cuite, c'est marrant ça. Alors, Pitney, mon petit Pitney. On va régénérer un peu quand même avant. Je sais jamais si les vers m'attaquent. Les gros vers. Intéressant. Bon, Pitney. Merci beaucoup. Ces vers ne m'appartiendront plus. Haha. Accepté. Voilà. Ah, il a une autre quête en plus à donner. Oh là 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 là. Bon bah ok, on va la prendre. Hein. J'en ai assez, d'abord sévère et voilà maintenant que mon vol, mon oiseau moite concourt. Et pour couronner le tout, les marques sur le sol sont indiquées que les voleurs l'ont amené aux catacombes. C'est très dangereux là-bas. Vous êtes une invulnérable rôdeuse. Vous pourriez peut-être retrouver mon pauvre oiseau moa et me le ramener. Ah bah ouais d'accord, je trouverai votre oiseau, le petit gars. Bon, alors, pour l'instant je suis que niveau 2, donc je vais continuer les petites quêtes. La quête principale, profession secondaire, problème dans les bois avec les grolls. Alors ça c'est où ça? Bah c'est pas loin en fait. Je pourrais aller voir les problèmes des grolls plus tard. Donc pour l'instant je vais rentrer à Ashford, je vais vendre mes affaires. Que j'ai récupérées là, identifier surtout l'arc. Et je déconnecterai, enfin je déconnecterai, j'arrêterai la vidéo là. On trouve un marchand, je crois que c'est un marchand, c'est celui-là, non? Voilà, ouais. Est-ce qu'il peut identifier? Je sais plus. Alors... Est-ce qu'il peut identifier ce que j'ai? Grand écu, voilà. Arc, voilà. On identifie. Comment on fait pour identifier? Il faut acheter nécessaire d'identification et c'est 100 pièces d'or. Ah putain, bon alors vendre. Alors symbole divin, ça, ouais, bah, je vends. Hein. Grand écu, je vends. Bâton d'eau, je vends. Jalon des cuirs, baguette d'air, bâton de la terre, bâton. Carapace épaisse, œuf de dévoreur, rien à foutre. Carapace cuite, baguette de feu. Est-ce que j'ai 100 pièces d'or ou pas? Oui, c'est bon.
Ok, acheter nécessaire d'identification. Donc il faut acheter un nécessaire d'identification si on veut identifier les objets magiques. Voilà, comme ça c'est déjà pas mal. Et il faut aussi acheter un nécessaire de... Comment ça s'appelle déjà? Oh là là, moi... De recyclage, voilà, de recyclage pour recycler les choses qu'on a envie de recycler en matériel pour faire du craft. Artisanat. Donc je vais identifier mon arc. Donc c'est clic droit normalement, c'est ça? Non. C'est double clic, pardon. Et clic sur l'arc long. Alors, dégâts perforants 5-6. Et dégâts de plus 12% sous les effets d'un enchantement. Donc si jamais je suis en moment des trolls, mes dégâts seront augmentés de 12%. Ouais, bah pourquoi pas. Hein. Donc on remplace l'arc. Voilà. Et à quoi il a l'air? Ben, on va voir ça tout de suite. On va aller dans les champs. Voilà. Ouais. Mais il ressemble à l'autre en fait, hein, sauf qu'il est magique. J'aime bien la manière dont il est présenté. C'est un arc à double courbure, double arc en fait. Puissant. Donc voilà, moi j'arrête la vidéo ici et j'en prendrai dès que je pourrai. Dès que mon emploi du temps me le. Je pensais pas que ce serait aussi long en fait. Vraiment, c'est très très long. Hein. Parce que là j'ai fait 3 quêtes quoi en gros hein, et il me reste tout ça à faire quoi, plus les quêtes d'Evona derrière qu'elle a à me donner. Bon allez les petits loups, moi je vous dis au revoir et j'espère que vous avez apprécié cette petite découverte de la Thierry, enfin de la Thierry, de la campagne de la Thierry dans l'introduction, parce que c'est que l'introduction en fait hein, vraiment c'est une carte parmi les 100 ou 150 qu'il y a hein, c'est incroyable. Donc les instances sont vraiment beaucoup plus grandes que ça en plus, c'est terrible. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo nostalgie. C'est beaucoup plus long que je pensais. Au revoir !